Go. Comment est-ce que tu as créé les Chicanos? Les Chicanos, ils ont été créés la première fois en Chine. Je m'amusais à dessiner sur des petits calepins, des papiers pour pouvoir m'exprimer. Et les Chicanos, c'est arrivé vraiment à la base, c'était vraiment pour rigoler quoi à la base. Et je l'ai développé en Chine d'abord et après j'ai commencé à le diffuser dans le monde entier. Comment tu fais les Chicanos? Comment j'ai fait les Los Chicanos? Non. Eh bien, ça dépend, tu es sur mur ou sur toile? Je peins la bombe aérosol les trois quarts du temps. Donc, quand je peins dans la rue, je fais des chicanos, différentes formes. Ils sont gros, ils sont petits, ils sont difformes. Voilà. Ça se voit? Ouais. Comment est-ce que tu as Attends, commencé? attends, question par question. Comment est-ce que tu as commencé? Comment j'ai commencé? Quand est-ce que j'ai commencé? Ouais. J'ai commencé dans la fin des années 80. J'avais dû avoir 15-16 ans. Voilà. Et depuis, j'ai commencé à faire du graffiti dans la rue illégal, pas vraiment des Chicanos au début, c'était vraiment, je marquais mon nom un peu partout, et après j'ai commencé à faire des grosses lettres, après j'ai rajouté des personnages, et après ben, le Chicano c'est arrivé beaucoup plus tard. T'as une question toi? Non, j'ai pas de questions. Ok. Comment ça se fait que je vois pas des street artistes faire leur craft partout? Mais, le problème de c'est pas un problème, c'est que nous, quand on fait du graffiti, il y a vraiment un peu de gens qui nous voient quand on le fait. Alors, quand c'est illégal, on le fait un peu la nuit, mais quand c'est des trucs légaux, on est un peu dans des endroits où il n'y a pas trop de passage, des fois, ou des fois, ça peut être au centre-ville, mais les gens ne font pas trop attention. Ils font vraiment attention quand la fresque est finie. Mais quand on le fait, souvent, on est sur des échafaudages ou sur des nacelles, ça prend tellement de temps, c'est tellement minutieux, tout ça, que les gens ne font pas trop attention, à part les gens qui adorent le street art, le graffiti, mais les trois quarts des gens, quand ils passent, ils ne font pas trop attention. Ils feront toujours attention quand la fresque sera finie. Ils disent, ah, on a pas. Ils réalisent, en fait, quand ils voient les couleurs et tout ça, quand on a enlevé les échafaudages, qu'une fresque s'est réalisée là. En fait, quand tu as commencé à faire des Chicanos, est-ce que t'as pas fait très bien au début, mais est-ce que tu as fait très bien au début? Au début, non, c'est pas facile. Au début, j'ai commencé à dessiner et ça s'est développé petit à petit. J'ai commencé à les faire de plus jolis, plus colorés, tout ça. Ça a pris du temps. Comme à l'école, en fait. Quand tu es à l'école, tu apprends à parler anglais au début, deux ou trois mots, et petit à petit, tu fais des phrases et après, après tu as des conversations. C'est la même chose pour le dessin. Est-ce que tu continues à faire des grosses lettres et tout là? De temps en temps, ouais, j'en fais. Moins qu'avant, mais j'en fais de temps en temps avec des amis quand je me retrouve à peindre un petit peu avec eux. Voilà. Je fais pas que des chicanos, j'en fais, c'est mon concept, mais de temps en temps, quand je suis avec des amis, je peux aussi bien faire d'autres personnages que des lettres. Bah, je sais pas quoi dire. Et bien voilà. Ah, je sais. Ah. Pourquoi ils sont de différentes tailles? Et bien parce que ben, pour leur donner des mouvements, tu vois, j'en fais des. Il y a le papa, la maman, le bébé, donc j'en fais des différentes couleurs comme la population. Ils représentent un peu les humains, ils sont bleus, jaunes, rouges. Il y a pas Heureusement qu'on a vraiment. des Chicanos derrière notre dos. Comment t'as dit qu'ils s'appellent? Hein? Les Chicanos. Les Dos Chicanos? Les Chicanos. Les Os Chicanos? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ok, bon. J'ai pas dit les Dos Chicanos. Vous avez une autre question avant de finir? Moi, j'ai une dernière question. Vas-y, dis-moi. Pourquoi, en fait, tu fais des gribouillis parfois sur les Chicanos? Et bien parce que mon concept, c'est de dessiner comme les enfants. Moi, j'ai toujours aimé, je suis un grand enfant qui n'a jamais grandi. En fait, mon concept, c'est de dessiner comme les enfants, de faire du gribouillage. Et en fait, bon, c'est du Comme gribouillage les bébés, tu recalculé. veux dire? Hein? Comme les bébés, tu veux dire? Bah, t'es bébé, quand t'as encore 4 ans ou 5 ans, t'es encore un bébé. Toi, tu penses que t'es un adulte? Ben moi, quand j'avais 5 ans, j'ai dessiné un petit peu mieux, hein. Bah, ok, bah, toi, t'étais un peu plus évolué, mais. Moi, j'avais que 3 ou 4 ans, je dessinais pas super bien. Et je dessinais avec des gribouillis, donc c'est ce que j'essaie de représenter. Avec des coulures et tout ça, tu vois, quand les enfants ils J'ai dessinent, compris. souvent c'est avec des taches et tout ça, tu vois. Et J'ai ça, compris. t'as compris? J'ai compris. Allez, check. Check comme ça. Voilà. Voilà. Merci. Rien. Bon.